Hey, salut tout le monde, c'est Lexuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur One Punch Man, a Hero Nobody Knows. La dernière fois, eh bien, on avait commencé le jeu, on avait fait les tutoriels, et aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on aille parler à l'employé moustachu et tout ça. On va continuer à apprendre un petit peu les mécaniques du jeu, et on va aller faire un petit peu les magasins, je pense, et on va voir tout ça aujourd'hui. Bon, juste avant ça, on va un petit peu se répartir les points d'amélioration. Et finalement, les points d'amélioration, on en a beaucoup. Points d'amélioration possédés, 65. Et paramètres de développement total de points d'amélioration utilisés. Donc, alors, si par exemple, je veux augmenter l'attaque. Ah, après, ça augmente rapidement. Enfin, tu peux augmenter de 1, mais bon, ça demande plusieurs points pour augmenter une stat. Donc, du coup... la technique augmente la vitesse de remplissage de la jauge de coups. Ça peut être pas mal, renforce les personnages qui arrivent en soutien. Bon, je vais déjà augmenter, on va dire, les stats de base qui sont les PV et l'attaque. On va tout mettre à 5. Et comme ça, on a déjà utilisé 64 points. Et on fera les autres après, comme ça, bon, pour les missions de base dès le début. Ce sera simple. D'ailleurs, on est un héros de rang C. Ok, on va partir sur ça. Dépenser les points, oui. J'aime bien la direction artistique de ce jeu, elle est vraiment pas mal. Ça me rappelle un petit peu dans une moindre mesure, Persona. Persona que je ferai aussi plus tard dans le mois de mars, puisque le jeu sort, Persona 5 Royal. Ramasser, ok, on gagne de l'or ici. Est-ce que nous avons des boutiques par là? Qu'est-ce que ça? Changer de zone. Oh, on peut changer de zone. Non, je vais pas aller au QG. Visitons un tout petit peu, donc on a des personnages qui sont un petit peu partout, qu'on connaît, ça on ne peut pas le faire. Bon après, il y a des objets qui traînent parfois par terre, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient si ouf que ça. Moi j'ai cru qu'il y en avait par ici, mais non. Puisque bon, 22 or, je suis pas sûr que ça nous soit utile, puisque où est-ce qu'on voit notre or ici? Ah, c'est tout en haut, c'est 2571, ce n'est pas exceptionnel. On n'a pas de compétences. Ici, on a la carte. Bon, on va aller voir le monsieur moustachu. Même la ville, je trouve qu'elle est assez bien faite. Le hub qu'on a ici. Il y a un dealer de ici. Ok, on peut pas aller là-bas. Eh hey. Comment tu me regardes? Comment ça? Il y a quelque chose de bizarre avec mon apparence? Je sais pas. Alors, monsieur moustachu. Employé moustachu. Alors, super, te voilà, c'est une requête urgente. Alors, je vais t'expliquer rapidement. Il y a une bande de délinquants qui sévit dans la zone abandonnée. Elle est fermée en ce moment. Mais le rapport indique qu'une personne âgée a été enlevée là-bas par cette bande. Nous n'avons pas de nouvelles. Accepterais-tu de te rendre sur place pour sauver cette personne? Et ce serait génial si tu pouvais aussi t'occuper des délinquants. Mais je parle tout seul. Enfin bref, rends-toi sur place immédiatement. Bonne chance, héros. Du coup, j'avais pas le choix. J'avais pas beaucoup le choix, là. File-nous tout ce que t'as, le vioc. La sécurité sociale te remboursera. Tu pourras partir quand tu nous auras filé ton pognon. Tu veux revoir tes petits-enfants? On s'en fout que tu sois un gamin ou un fossile. Si tu es faible, je m'occupe de ton cas. Oh là là, je suppose que vous le comprenez, que vous ne prenez pas l'échec, jeune voyou. Eh merde, il est sénile ou quoi, hein? Qu'est-ce que... T'es un de ces tarés de héros, pas vrai? Quand as-tu débarqué ici? Oh, un héros entre sur scène. Tu vas protéger le vieux papy que je suis? C'est probablement un loser de classe C. Il a pas tort. Tu vas découvrir le sens du mot douleur. On utilise les arts martiaux pour obtenir ce qu'on veut. On est les plus redoutables du quartier. Ok, tout le monde. On les massacre, c'est le jour de paye. Monsieur, quand même! Arnaqueur de vieux. Oh, wow, wow, wow. Quoi? Okay. Oh là là là. Ok, bon, déjà on a un petit peu plus de vie, on a vu ça. Tac, tac. Bon, le vieux, on le connaît, hein. Pour ceux qui regardent l'animé, on le connaît, le vieux. Ça fait bizarre d'avoir. De me faire parer mes coups comme ça, là. Tac. Hop. On fait des dash. Ouh! Okay, bon, les coups puissants, il faudrait que... Ouh, je vais parer. Je vais tout parer comme ça, là.
Ah, vas-y, ma jauge. Oh, ah mince, je me suis trompé de touche. C'était pas ça que je voulais faire. Yeah. Oh okay. Tiens. Doria. Moi, je voulais faire un coup vénère. Non, c'est pas ça. C'était quoi, déjà, le coup vénère? Je peux. Eh, oh. Bon, après, je crois que les voix sont encore un petit peu trop... Non, pas ça. Toc. Ah, si, le coup vénère. Bon, il était à terre, par contre. Mais non! Mais il lui reste rien. Ah, mais c'est une nana. Oh. Hop. Toc. Allez, moi, je t'enchaîne comme ça, là. Boum. Oh, la patate. Vibator. Non. Oh là là, la garde parfaite, le perfect guard. Hop, dodge, blocage. Oh, une tempête se prépare. Faites attention à la foudre. Coup vénère. Fais-toi tuer par la foudre. Tiens, hop. Par contre, on a aucun... Je te laisse gérer le reste. Ah, mais il reste encore un gars. Il est encore en vie. Oh. Vas-y, je te chope. Non, c'est vrai que... Oh, excusez-moi si pour l'instant je joue encore un petit peu mal. Puisque... J'apprends les touches. Ouais, ça, c'est bien dommage, ça. C'est bien dommage ce que tu as fait, là. Oh, ce que je lui ai mis. Oh, le tag que je lui ai mis. C'est qui, ce vieux? Merde, ce serait pas Croc d'argent? Mais bien sûr que c'est Croc d'argent, le rang S. Le héros de classe S. Bon sang, barrons-nous d'ici en vitesse. Ah, tu as le sens de la justice et la volonté de la faire respecter. Je suis impressionné. Mais en ce qui concerne ta force et ton talent, tu as encore du chemin à parcourir. Oui, c'est vrai. Mais je commence le jeu, monsieur. À ce propos, est-ce que les arts martiaux t'intéressent? On va dire que oui. Parce que ça peut être drôle, je pense. Ah bon, en même temps, en tant que héros novice, c'est tout à fait naturel. Puis-je te proposer un petit combat amical? Profites-en, c'est une opportunité unique. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Oh, et ne sois pas timide, c'est juste une leçon d'essai, totalement gratuite. Oh non, il va me déglinguer. Il va me déglinguer. Ah si, prêt. Oh monsieur, je croyais que c'était une leçon de... Je croyais que c'était une leçon tranquille. Hop. Vas-y. Non. Oh, je pense que c'est normal que je me fasse déboîter par le vieux. Puisque bon, il est quand même de rang S. Oh. Oh, il m'a dégommé. Mais je pense que c'est normal. Jeune recrue, je ne dis jamais cette phrase à la légère, mais... Tu as du potentiel. Vous avez mis du temps à dire ça. Je suis curieux de voir jusqu'où tu iras. Bon, eh bien, à la prochaine, camarade. On se fera une petite revanche à l'occasion. Ouais. Calme-toi, donc j'ai eu B. Je pense que j'aurais pu avoir un petit bonus si je l'avais battu, mais à mon avis, c'est très compliqué de le battre, hein, puisqu'il a beaucoup de points de vie, le bougre. Alors, merci beaucoup pour ce sauvetage audacieux. Quoi? Le sauvetage était inutile? Toute la bande avait déjà été neutralisée par la personne qu'ils avaient kidnappée. Eh bien, bonne celle-là, c'est impossible. Bref, j'arrive pas à croire que tu as vaincu tous ces délinquants par toi-même. Sacrée performance pour un héros débutant. Nous allons pouvoir rouvrir la zone abandonnée. Si jamais d'autres ennuis surviennent, je ferai appel à toi. Bon, au moins il nous a donné des trucs. Oula. Tu as débloqué la zone abandonnée. Tu as sauvé la personne âgée et débloqué la zone abandonnée. Clear quest. Quest. 24 points d'amélioration, c'est cool. Ok. Et un petit peu plus d'expérience. L'expérience a un petit peu plus... Enfin, en dessous a un petit peu plus de mal à monter. 200 d'or et 100 de contribution. Toujours cool. Bon, du coup, on va
Ah, force sociale améliorée avec trop d'argent. Nice. Oh, en plus, on peut plus avoir des amis parmi les héros, ça c'est cool. Alors, des héros célèbres apparaissent parfois en ville. Certaines missions et quêtes impliquent ces héros. Ceci augmentera ta force sociale avec eux. Si tu augmentes suffisamment ce lien avec un héros, il pourrait même venir te rendre visite chez toi. Oh. Mais du coup, on peut avoir une maison ? C'est bien. Tu peux consulter ta force sociale auprès de chaque héros depuis la page Almanach des héros du menu ville. Et du coup, croc d'argent... Ok. Coup vénère a appris Interpolation du croc. Ah, il m'a appris ça. Terminer ses missions ou quêtes avec un héros célèbre te permettra d'apprendre un coup vénère. Pour utiliser l'un des coups vénères appris, tu dois d'abord l'assigner. Appuie sur machin, oui, bon, ça j'ai compris. Ouais, ouais, oh là là, mais les gars, j'ai entendu dire que la zone abandonnée a été débloquée par l'employé de l'association des héros, voilà. À l'entrée, il te laissera passer, apparemment, c'est encore grâce à toi, bien joué. Prof Man. Bon, laissez-moi juste changer mon coup vénère, débloqué au niveau de compétence 2. Ok, donc j'ai ça. Ouais, puisque mon coup vénère à moi, je le trouve pas ouf. Interruption de garde. Rapproche-toi rapidement ton adversaire et frappe-le d'un coup sec. On peut faire ça. Du coup, autre... C'est pas ce que je voulais. Je voulais surtout augmenter mes niveaux. Les PV, ça va. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. On peut augmenter la technique. What? Ah oui, d'accord. C'est 5 et après, c'est 25. On va augmenter la technique quand même. Let's go! Du coup, après, quelle sera notre prochaine mission? Défi débloqué. Mission de l'histoire principale, va et observe zone avant. Il y a plein de trucs. Nous avons plein de trucs. Oh, plein de petits drapeaux rouges. On ne peut pas aller là-bas. On n'a pas encore de boutique, je crois. Ouais, puisque les boutiques sont là-bas. Ici, on peut avoir des missions. Est-ce qu'on a de nouvelles missions? Juste par curiosité, on va pas les faire, mais... On a ça qui n'est pas encore débloqué. Okay. Bon. Mieux. On peut sauter ici? Déjà, c'est même pas la même touche qu'avant. Alors, du coup, on va aller là. Il y a un truc avec des trophées, là. Toc. Monsieur, c'était quoi, ça, déjà? Regardez. J'ai simplement rendu justice. Eh, attendez. Oh! Mais oui, les missions qu'on a fait! 300... Oh, mais on est pété de thunes! Thunes, les gars. Bon, à mon avis, 100 d'or, c'est pas beaucoup. 300... Fais une garde parfaite pour la première fois. 600. Oh. Terminé le chapitre 2. On est bien. Bon, on a de la thune. On a de la thune. Là-bas, c'est... Attends, mais il y a un truc ici. Toi, tu fais quoi? Parlez. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sens rien du tout. Quoi? Tu veux savoir ce qui ne va pas? Tu penses pouvoir m'aider? Tu peux accepter des quêtes auprès des habitants de la ville. Des problèmes mineurs aux grosses catastrophes, tu devras les résoudre comme un véritable héros. Tu recevras des récompenses et ta contribution augmentera proportionnellement aux problèmes résolus. Donc ça c'est le truc, ok. Il est possible d'accepter plusieurs quêtes à la fois. Lorsque tu as plusieurs quêtes actives, tu peux les voir, ouais. Les quêtes sont différentes des missions et demanderont de te déplacer, de parler et de combattre pour les finir. Elles peuvent aller de simples tâches aux véritables corvées. Choisis une quête depuis la liste. Ok. Contrairement aux missions, terminer plusieurs une quête plusieurs fois n'octroiera pas les mêmes récompenses. Les quêtes sont des opportunités uniques et effectuées avec soin. Ok. Donc je peux gagner 50 de l'XP. Apporte les documents au gentleman fringant. Commencez marqué comme cible. On va... Ça m'embête un peu, mais acceptes-tu? Oui, je vais lui donner. S'il te plaît, utilise ce marqueur. Alors, livraison. La carte... Voilà, la carte, on la voit comme ça. Mec, comme s'il pouvait pas aller jusque là-bas, en fait. Je peux pas courir. Monsieur. Oui, les documents que j'attendais, on m'a dit que quelqu'un viendrait les livrer, mais je m'attendais pas à un héros. Merci beaucoup, tu nous sauves la mise. Bonne continuation, héros. Ok. Ah, mais il faut... C'est vraiment un flemmard. Est-ce que je peux courir maintenant? Hop. Ouais, salut! Ouf, t'es assez moche. Tu es assez moche, monsieur. Tu as livré les documents, ok, ok. Donc du coup, il va me donner les récompenses, ok. Bon, je ferai ça en off, hein, clairement. Mais au moins, ça nous permet de voir un petit peu ce fonctionnement de mission. Donc à mon avis, ouais, il y a des combats, il y a des petites livraisons comme ça. Ouais, c'est drôle. C'est sympa. Donc du coup, ouf.
Non, je vais pas non plus accepter les quêtes de tout le monde. Mais je vais... Moi, tu es un héros. Ouais, ouais. Alors, 800 gold. La requête du héros bruyant. Commencer. Ok. Tragique, n'est-ce pas, mon talent. Et puis, à toi, tu vas devoir... mais je me permettrai... je te transformerai en bouillie, quoi. Ah, mais ça lance la quête, ok. Bon, let's go. Ouais, j'imagine... What? Un héros arrive. Un héros arrive de mon côté. Wow. Donc il fait genre qu'il est en rang S, mais je suis sûr qu'il est nul. Hop. Wow. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, il a pris tellement cher. Moi aussi. Ah bah non, il a rien pris quand même. Non. Wow. Laisse-moi. Ok, bonus d'attaque pour de 10 secondes. Oh. Tac. Tac. Vas-y, vas-y. Non. Bon. Monsieur. Hop. Et je peux... Ah si. Un autre héros. Tiens. Oh, tiens. Non. Tu es nul. Zélote. Zialote. Il y a beaucoup de vie, le monsieur. Ok. En fait, il faut quand même une certaine compréhension des timings sur tout ça là. Hop. Allez, vas-y. Boum. Oh, ce que je lui ai mis. Les attaques hyper vénères, en fait, c'est tellement bien. Regardez, attaque vénère encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, tiens. Et encore un, encore un. Bon. Héros bruyant. Je l'ai dégommé. Ouais, ouais. Temps B. J'aurais dû le faire plus rapidement. Mais en tout cas, il m'a pas mis beaucoup de coups, ça va. Gras, comment ai-je pu perdre? Je ne te le pardonnerai jamais. Un de ces jours, tu me le paieras. Et du coup, on obtient de l'XP, plein d'XP, nice, de l'XP de type standard. Ah, niveau du type de combat, bon, un petit peu, plein de thunas. On commence à accumuler. Du coup, j'imagine que l'argent, ça doit nous permettre d'avoir de nouveaux accessoires, de nouvelles tenues. Vraisemblablement. Alors, parlez. Merveilleux, grâce à ton travail, on peut enfin se rendre librement à la zone abandonnée. Tu as toute notre gratitude, les citoyens sont ravis. Ok. Et du coup, la ville est scindée en plusieurs parties. Bonjour, monsieur. Vous êtes pas très beau. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Shoto, soko no kimi! Konna basho de nani o shiteru ndai? Koko wa chian ga yoku nai kara, amari chikazukanai hou ga ii.君もヒーローだったのか。失礼なことを言ってすまなかった。俺もヒーローをしている。無面ライダーだ。君はまだ駆け出しのヒーローのようだが、凶悪な怪人がこの付近には現れたりと何かと物騒だ。十分注意してくれ。ではまたどこかで。 C'est quand même l'un des rares jours où je me dirais. En fait, les personnages random, ça colle tellement bien à l'univers, puisque... Genre, on a vu certains personnages totalement random dans les images qu'ils ont montrées, là. Outre Roulette Rider, mais on le connaît, lui, c'est le boss. Et tu te dis... Parce que les personnages, ça peut être des vrais personnages de One Punch Man, en fait. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous nous voulez, vous? On l'a vu, le Prof Man. Tiens, bonjour, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Quoi? Tu vis dans le coin? Je vis vraiment dans le coin? Dans ce cas, accepterais-tu que je passe chez toi? T'es notre maison! On va voir notre maison! Un nouveau bâtiment a été débloqué, mon appartement. Ouais, ça, c'est une belle bâtisse. Mais est-ce que ce serait pas... Ça me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas chez Saitama aussi, à côté, genre? Aller dans ton appartement, oui. Mais est-ce qu'on pourrait pimper notre appartement? Oh,
fois, ce serait vraiment cool. Ah, il faudra le pimper un petit peu, puisque là, c'est chaud. Ouf, tout ceci aurait bien besoin d'un petit rafraîchissement. Alors, tu me parles mieux, avec ton point d'interrogation. Ne te méprends pas, je ne m'attendais pas... je m'attendais à ça, vu que tu démarres à peine dans le métier. J'espère que tu gagneras en popularité et que ça te permettra d'avoir un appartement plus luxueux. Ouais, ça va. Donc je ferais mieux de retourner au boulot. Pardon d'avoir monopolisé ton temps. Donc le gars... Alors, voyons. Donc le gars est juste venu pour me trash-talk et dire « Oh, regarde ton appartement nul !» Comme son nom l'indique, ton appartement est ton lieu de vie personnel. Il possède même un placard depuis lequel tu peux modifier ton héros. De plus, même si tu n'en as pas beaucoup maintenant, tu peux arranger les meubles et que tu obtiens pour personnaliser ton appartement selon tes goûts. Assure-toi d'ajouter tes nouveaux meubles à la maison. Punaise, mais maintenant ça se transforme en Sims! On joue aux Sims! Il semblerait que l'employé de la boutique d'objets veuille te récompenser. Ce sera sans doute pour te donner quelque chose qui s'avère utile dans tes activités de héros. Nice. On va aller voir ça. Mais du coup, je veux inspecter. Oh. C'est mon lit. J'inspecte. Un matelas ordinaire apprécié par ça. Bon, mais... Ah oui, non mais je suis vraiment fauché en fait. Inspecter. Un outil de stockage populaire. Que vas-tu ranger à l'intérieur? Un outil de stockage populaire. Ça c'est quoi? Changer de zone. Ah non. Ah, je peux aller soit en ville là. Ok. Je peux modifier mon avatar, mais on s'en fiche un petit peu. Il n'y a pas tant de vêtements que ça. Bon, au moins je sais qu'on peut jouer aux Sims ici. Aller en ville, oui. Alors, du coup, nous sommes en ville et on peut aller ici. Il y a des mecs qui sont vachement moches. Toi, t'es un faux Saitama. T'es moche. What? Ok. Ok, ok, on dirait que tu nous as vraiment beaucoup aidé, merci infiniment, mais après tout, c'est assez difficile de tenir un commerce dans une zone hors limite. Tiens, prends ceci en récompense de tes efforts. Une tasse. Mais arrêtez de me donner des tasses, je gagne que ça. Un nouveau bâtiment a été débloqué, boutique d'objets. Mais je gagne que des tasses, en fait, depuis le début de ce jeu. QG de l'assaut. Ceci est une urgence, une sorte de perturbation semble s'être produite dans la zone centrale. Sache qu'un monstre a également été repéré dans la zone, rends-toi sur place immédiatement pour résoudre cette affaire. Oh nice! Mais je veux juste voir les objets. Les objets de boost peuvent être utilisés lorsque tu entreprends une mission ou une quête. Utilise ça pour t'améliorer. Un téléphone. Augmente les chances d'événements de personnages au combat. Ok, bon, on a des trucs comme ça et on peut vendre. Du coup, le thé augmente légèrement le taux de remplissage de la jauge. Un objet pouvant être échangé en boutique contre de l'argent. Donc, elle m'a donné une tasse pour que je l'échange contre une tasse. Contre, pour que tu lui redonnes pour qu'elle... Ok. Je lui ai vendu... Oh là là, on est tellement chaud. Donc oui, elle nous donne une tasse qui est un objet qui est juste là pour se revendre. Éventuellement. Je ne sais toujours pas comment courir ici. Même si je suis pas sûr qu'on puisse courir. Bon, du coup... Un monstre. Oh, au secours! Je déteste les muscles, je les haïs! Mais je n'ai pas de muscles, je les trouve horribles. Une femme qui n'aime pas les muscles, je te déteste encore plus. Pourquoi est-ce qu'un monstre aussi costaud détesterait les muscles? Tu veux savoir? Alors écoute bien. Je croyais que si je me musclais, j'aurais la nana de mes rêves. Je me suis entraîné 5 ans. Puis je lui ai demandé de sortir avec moi et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Un gros bout de viande comme toi? J'avais de la vie, t'es trop laid. Je me suis évanoui et quand je suis revenu à moi, je m'étais transformé en monstre. Encore un gars musclé? Les filles, tu t'ouvres jamais dans les bras si tu portes celle. Tout le monde le sait. Marcel, mais qu'est-ce que les fringues ont à voir là-dedans? Tu ne comprends pas la puissance du Marcel, pas vrai? Dans ce cas... Moi, Tiger Marcel, je vais te faire rentrer une leçon dans le crâne. Amène-toi. Ce jeu est trop marrant. L'univers de One Punch Man est beaucoup trop drôle. Oh, et du coup, c'est Tiger Marcel qui va se battre. Et tiens. Faut vraiment que je baisse le volume des... En vrai... Non, je peux pas changer ici. Parce que je suis sûr que ça va bien être chiant à écouter. Et tiens. Et tiens. Ok. Oh, je me suis laissé avoir. Vite! L'objet! Non!
Non. Un bonus de récupération dans le jeu pendant 30 secondes. What? T'es costaud. T'as l'air malin dans ton Marcel maintenant. Si quelqu'un va prendre une leçon, c'est toi. Frérot, aide-moi. Frérot? Bah, je suis ton frère. Eh, tu n'es pas mon frérot. Qui es-tu? Encore un héros qui faisait prendre une raclée. Ramène-toi, qui que tu sois. Je suis très musclé. Bon, du coup, je comprenais pas pourquoi, genre, on avait Tiger Marcel en personnage incarné, mais maintenant, on utilise notre propre personnage. What? Monsieur! What? Il y a son pote, là. Il y a son frérot. Il y a son Aniki. Il y a son Aniki qui est là. Ouais. Hop. C'est ça. Gassos! Oh non! Hop. Je sais plus comment on pousse un personnage. Hop. Oh. What? Ouais, monsieur! Ah, mais. Aniki! Aniki! Ouais, oh. Monsieur! Hop! Punaise, il veut pas venir! Non, mais c'est parce que j'ai une touche qui marche pas bien, je crois! Je sais pas. Je sais pas comment on fait pour. Si. Ah bah voilà. Le Aniki Black Hole Marcel. C'est assez incroyable. Non. Bonus d'attaque pendant 10 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il m'a déboîté. Hop. Garçons! Attendez, il a vraiment dit garçons. Je crois bien. Hein. Hop, on extend. À 8 coups, 9 coups, 11 coups, 12 coups. On a cassé le combo. Garçons! Monstre macho. Non mais oh. Que dirait. Ah, on dirait que je suis arrivé à temps, petit frère. Il s'est fait déboîte. Heureusement que j'ai le switch. Frérot, je savais que tu viendrais. Aniki. Mais je m'attendais pas à ce que quelqu'un te vienne en aide plus vite que moi. Frérot, aurait pu s'en occuper tout seul, tu sais. On se calme, petit frère. Il y a des gens qui regardent. Laisse-moi faire. Entendu. Vas-y. Tu as filé un bon coup de main, mon petit frère. Merci à toi, héros anonyme. J'espère que toi et mon petit frère aurez une rivalité amicale dans votre ascension. Frérot, à t'entendre, ce héros et moi, on aurait le même niveau. Petit frère, ce héros est puissant. Tu peux me croire. On s'est battu ensemble. Ah oui, allié. Mais que ça ne te décourage pas. Au contraire, c'est un bon élément de motivation. Je comprends. La défaite d'aujourd'hui et la victoire de demain. À partir de maintenant, toi et moi sommes officiellement rivaux. Je te remercie pour aujourd'hui, mais désormais nous sommes en concurrence. Un jour, nous affronterons. En attendant... BBC. Bon, BBC, c'est une abréviation d'autre chose, mais on a eu cette notation. Donc ouais, 390 bonus de combat fois 1,30. Oh, on n'a même pas monté de niveau. Et du coup, on gagne un petit peu de thunes, ça c'est cool. Et un Marcel, on a gagné un Marcel, je crois. Et ça, c'est un réel plaisir. Ok. What? Forme sociale améliorée avec 100% muscle. Je crois que c'est 100% muscle. Donc du coup, salut les potes, qu'est-ce qu'ils sont moches. Modifier type de combat. Les types de combat ont une grande influence sur les affrontements du jeu. Ils altèrent totalement la façon dont tu te bats. Alors cherche celui qui te convient le mieux. Chaque type a son propre niveau. Il est donc conseillé de se concentrer sur celui que tu veux monter de niveau rapidement. Tu peux changer ton style depuis le menu ville. Ouvre-le avec ça. Ok. Nouveau personnage débloqué, Master Marcel. Tu peux utiliser en combat classé, en combat libre. Et on a eu le type force. Et le sprint du tigre en coup vénère. Et la frappe géante aussi. Tout ceci est intéressant. Est-ce que je peux récupérer ça? Oh, c'est terrible. Du coup, ils sont où les potes des liens sociaux là? Je peux pas les avoir. Est-ce que... J'espère que ça va pas me déclencher un truc si je m'approche. Non. Du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. Attendez, on peut monter là? Oh non, oh, c'est dommage. Du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On a quand même fait pas mal de combats. On a appris pas mal de choses. Je pense que c'était un bon épisode, selon moi. N'hésitez pas
pas me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Et du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour votre cancan. Je ferai d'autres vidéos sur One Punch Man sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici. Elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.